Chez Haydin et Cassi. Oui. Lieutenant Humez, est-ce que je peux entrer? Entre. Que veux-tu de moi? Je suis vieux et je ne sais rien de la guerre. Je ne suis pas ici pour la guerre, enfin pas en ce moment. Mon régiment est cantonné à Benidoilla. Je suis venu pour vous saluer. Uniquement pour vous saluer. Tu me connais donc? Haydin Haïd Kassi, le poète, est connu même des Français. Je sais qu'on vous a surnommé le rossignol de Kabylie. Que me veut-il? Il dit qu'il me connaît. Sans doute veut-il des renseignements. Il commence ainsi, puis va me poser des questions sur les flagas. Mais je ne sais rien. Et le peu que je sais, je ne le dirai pas. Comment peux-tu me connaître? J'ai entendu à Alger des disques que vous avez enregistrés. Je connais un peu la langue kabyle, bon, très peu. J'ai commencé de l'étudier à l'école des langues orientales, mais il y a eu la guerre. Il y a longtemps que j'attendais cette occasion. Je m'étais dit, si je passe un jour dans la région de Tizi Ibel, j'irai saluer Haydin Haïd Kassi, lui dire que j'aime sa poésie, même si je ne la comprends pas très bien. Pourquoi fais-tu la guerre? Si tu aimes la poésie. Pourquoi fait-on la guerre? Je ne la fais pas volontiers. J'aime ce pays. Et je l'aimais déjà avant de le connaître. Ne pensez pas venir ici en ennemi, avec des armes. À Paris, j'avais des amis algériens. Je voulais écrire une thèse sur la poésie berbère. J'aurais voulu venir ici en ami. J'ai cru que même dans la guerre, il pouvait y avoir place pour la compréhension. Pour l'amitié. Maintenant que je suis là, je vois que c'est impossible. Je ne vois plus que la haine. La haine et la peur. Peut-être est-ce qu'il dit vrai. Il a l'air sincère et il ne pose pas de questions. J'aurais voulu me promener seul, sans armes, dans ces montagnes. J'aurais voulu recueillir des chants comme ceux que vous composez. Est-ce que cela sera encore possible un jour? Je me le demande. Il y a de l'amertume dans sa voix et dans ses yeux. De l'amertume et de la tristesse. Haydin, je voudrais vous demander quelque chose. Ah, nous y voilà. Est-ce que je me serais trompé? Oui. Demande.